Nous amorçons la seconde partie de cette émission, émission qui reçoit aujourd'hui le président de la Ligue camerounaise des consommateurs, M. Delor Magellan Kamsue Kamgen, est toujours en notre compagnie. Merci d'être toujours Je ne sais pas pourquoi vous ne devriez pas préciser président exécutif réélu. C'est bien que ceux qui nous regardent sachent bien que j'ai été élu et réélu. Parce que les Camerounais ont du mal aujourd'hui à croire en ces associations de consommateurs pour la simple raison qu'il y a trop de brebis galeuses dans votre sein. Vous en êtes bien conscient. Est-ce que vous acceptez que, effectivement, ils ont de belles raisons de ne plus croire en vous? Vous avez dit que les Camerounais ont du mal à croire en ces associations. Oui. Pas en la Ligue. La Ligue camerounaise des consommateurs. Partie, du tout. Du tout. Brebis galeuses, ça ne concerne pas la Ligue. Oui. Ligue camerounaise des consommateurs est visible non seulement sur le terrain, mais également sur le terrain, sur Internet. Donc, les gens qui veulent savoir davantage peuvent partir sur notre site web www.ligueconso.org pour voir nos activités. Comment savoir que cette association, elle est mieux que telle autre, justement? Oui, si nous sommes représentés dans les instances sérieuses, ce n'est pas pour rien. Le chef de l'État camerounais, pour la première fois, a nommé un représentant de l'association de consommateurs dans un conseil d'administration. Et c'est votre humble serviteur. Et nous sommes représentés dans plusieurs de ces instances. Non, c'est ça qu'il faut noter. Non, je suis en train de citer Babila. Je suis en train de citer, j'ai graines. Vous voulez des faits, vous aurez des faits. Ok. Voilà. Et c'est ça, c'est des faits. Donc, en dehors de cela, quand chaque organisation veut nommer un représentant des consommateurs, après, en cas de terrain, on constate que c'est la Ligue camerounaise des consommateurs. Nous représentons aussi les consommateurs africains au sein du COPOLCO, qui est le Comité pour la politique des consommateurs à l'ISO, qui est de International Standards Organization, qui donc l'Assemblée générale de cette année aura lieu bientôt en Allemagne, donc dans quelques semaines en Allemagne. Donc nous serons les seuls représentants des consommateurs africains là-bas. Mais au-delà, si vous comprenez quand même cette réserve des consommateurs camerounais. Il n'y a aucune réserve. Mais en bon? Il n'y a aucune réserve concernant la Ligue des consommateurs. Peut-être pas. Ils ont des réserves concernant d'autres. Oui, mais le d'autres qui en ont l'argent, d'autres qui commettent d'avoir confiance, justement. D'autres qui commettent des faits, donc des faits pas du tout catholiques. Donc, mais nous, la Ligue, c'est pas le cas. La Ligue des consommateurs, nous avons la loi pour guide et aussi la Bible. Mais est-ce que vous êtes conscient quand même des agissements de ces associations de consommateurs pour lesquelles on ne peut pas apporter beaucoup de crédit? Ben oui, nous sommes conscients et nous nous en détachons. C'est-à-dire que nous ne travaillons pas avec ce genre d'association qui met le profit, le gain, la culpabilité comme socle. Non, nous nous démarquons à travers la qualité, l'objectivité, la légalité, la légitimité de nos actions. Mais justement, il va falloir quand même pour les téléspectateurs rappeler les actions, les agissements de ces associations de consommateurs qui brillent beaucoup plus par les arnaques sous prétexte de du non-respect des lois commerciales au Cameroun vont arnaquer les pauvres commerçants. Récemment, le ministère du Commerce a sorti un communiqué dessus. Nous l'avons dénoncé. Nous sommes montés au créneau pour dénoncer ce communiqué. Parce que ce communiqué a dit les associations et non des. Mm-hmm. Donc on a dit au ministère, attention. Ça veut dire que nous, qui représentons les consommateurs à toutes les consultations du ministère du Commerce, parce que nous les représentons là-bas, on les représente dans plusieurs instances. Nous sommes partie prenante de ces gens-là, non? Qu'est-ce que vous faites pour faire le ménage dans votre sein au sein de... Ça ne relève pas de notre rôle. Hein. La Ligue s'occupe de ses consommateurs, de ses membres, ses partisans et de ses activités. Les autres associations, c'est le ministère du Commerce qui est chargé de réguler. Oui. Ok. Donc nous ne nous donnons pas des points. Nous obtenons des points à travers les activités qui marquent et démarquent notre objectivité. Oui. Autre activité que vous avez menée et qui vous a valu vraiment une exposition, une surexposition médiatique, c'est votre grève de la faim. Une reconnaissance. Une grève de la faim, une surexposition médiatique, j'allais dire. En 2014, je ne sais pas qui vous a donné cette reconnaissance. En tout cas, en 2014, vous avez fait cette historique grève de la faim qui a abouti sans doute au recul des pouvoirs publics par rapport à la hausse des tarifs de l'électricité. Avec du recul, quel bilan faites-vous de cette action que vous avez menée à l'époque? Ouais, donc du lundi 21 au vendredi 25 avril 2014, donc à chaque seconde, chaque minute, chaque heure, durant ce temps-là, nous étions couchés à même le sol, sous le soleil, sous la pluie, devant l'agence de régulation du secteur de l'électricité Arcel. Donc Arcel. Et donc du coup, c'était pour empêcher la hausse annoncée des tarifs d'électricité, qui à l'époque était rarissime.
Donc, parce qu'on avait des cellules d'électricité par hasard, et non de manière continue, telle que contenue dans les différents textes en vigueur. Mmh. Et du coup, on a dit non, on peut pas tolérer ça. Et c'est ainsi que notre action, notre lobbying, notre plaidoyer a pu empêcher la hausse annoncée de ces tarifs jusqu'aujourd'hui. Donc, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de hausse des tarifs de l'électricité au Cameroun, malgré les tentatives. Ajouté officiellement. Je dis bien, officiellement, il n'y a pas eu. Parce que certains consommateurs camerounais aujourd'hui, quand ils crient leur ras-le-bol, quand ils voient à la fin du mois leur facture d'électricité, ils se demandent, mais par rapport à la même consommation, pourquoi est-ce que la facture a augmenté entre-temps? Oui, disons qu'il s'agit là des erreurs de facturation. Okay. Pas que des erreurs. Oui. Pas que des erreurs. Il y a certaines personnes qui sont allées se plaindre quand même, à qui on a dit non, voilà, c'est votre consommation. Or, il n'y a pas eu de nouveaux appareils qui soient ajoutés à leur consommation. Comment se fait-il que les factures grimpent alors et galopent? Je vous dis donc qu'il s'agit des erreurs de facturation parce que la hausse des prix. Je ne vais pas vous cacher derrière. La hausse des prix, du tout. C'est un domaine que je connais, que j'essaie de bien connaître. Vous avez fait la grève de la faim, vous avez obtenu sans doute la non-augmentation du prix de l'électricité, vous voulez faire la même chose pour l'eau. Vous pensez qu'on va toujours garder les mêmes prix, les mêmes tarifs et que ce n'est pas évolutif? Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas un peu en marge de la société? Du tout. Pour augmenter les prix, il y a ce qu'on appelle la structure des prix qui comporte des composants. Et qu'il faut voir. Donc, une entreprise qui veut augmenter les prix des produits doit d'abord s'assurer que le consommateur a ce produit-là de manière permanente et de qualité, auquel l'on peut tolérer. Je prends le cas par exemple de la Soka Palm qui veut augmenter les prix de l'huile récemment. Hein, donc, ça dit que de l'huile végétale brute, alors qu'elle a fait 6 milliards de chiffre d'affaires. On a dit non. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous distribuer 6 milliards comme si c'était des biscuits et puis vous pensez que le consommateur va encore. Donc c'est ça votre logique. Parce qu'une société fait des chiffres. Oui. Elle n'a pas le droit d'augmenter la prestation, des chiffres, le coût de la prestation. 6 milliards, c'est beaucoup d'argent au Cameroun. Okay, on peut pas se dire qu'on fait 6 milliards. Oui, mais même si c'est 4 milliards, vous allez dire que c'est beaucoup d'argent. Mais c'est la logique qui sous-tend votre raisonnement que je demande. Cette logique-là, c'est une logique parisienne, pas camerounaise. Mais je demande, hein, quand les prix des matières premières augmentent, le produit final ne doit pas augmenter, selon vous. Quel prix de matières premières augmenter? Bien entendu, vous et moi, on n'est pas techniciens, mais pour je avoir le dans ce domaine il y a beaucoup de choses quand même qui entrent en ligne de compte. C'est ça que j'appelle la structure des prix. Mmh. Okay, c'est ce que j'appelle la structure des prix. Mmh. Donc, il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte. Mmh. Donc, quand ces facteurs-là ne sont pas réunis, on acceptera. On ne tolérera aucunement un réajustement tarifaire à la hausse. Mais on a aussi eu des réajustements tarifaires à la baisse, hein, qu'on a continué à avoir. Donc, il faut comprendre que c'est un combat qu'on mène et dont le consommateur bénéficie des retombées. Ouais. Dites-moi, sur quoi vous travaillez désormais, les prochaines activités? Là, maintenant, nous sommes en plein plaidoyer pour amener les Camerounais à mieux se conduire sur la route, sur la voie publique, parce que il y a beaucoup d'accidents ces temps derniers, et ce même gouvernement ne fait pas grand-chose par rapport à cela. Mais c'est quoi la cause même des accidents selon vous? Il y a plusieurs causes. Hein, il y a notamment des chauffeurs que nous considérons comme les chauffeurs qui consomment de l'alcool, qui conduisent dans un état d'ébriété. Il y a le patron qui des fois fait plusieurs tours, parce qu'on a des chauffeurs qui font par exemple 4 tours par jour sur des axes très longs. Il y a également ce côté du gouvernement qui n'entretient pas les routes. Donc il y a beaucoup de trous, c'est-à-dire que des trous en plein chaussée sur les routes. Il y a le fait que certains agents de contrôle ne sont pas... Alors, quelle est votre action à vous? Notre action se limite à nos activités, la sensibilisation, l'éducation, le plaidoyer, on se limite là. Maintenant, c'est le gouvernement qui a les moyens de répression. Okay? Donc nous, on fait ce qu'on a à faire. Est-ce que vous mettez la pression sur le gouvernement aussi? Une pression permanente. Par quel moyen? Mais pas le moyen du plaidoyer et du lobbying. Mmh. Ce sont des thèmes consacrés dans le consumérisme. Mmh. Okay? Donc on ne peut pas aller au-delà de cela. Parce que le gouvernement nous guette. C'est-à-dire que les gens nous guettent pour dire, bon voilà, ils sont sortis du cadre. Et du coup, soit qu'on est guéri, belle. Donc nous, on veut rester à faire ce qu'on fait. Et avec l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit, on le fait plus ou moins bien. Bien que le combat soit légitime, surtout par rapport aux accidents, mais on a quand même l'impression que c'est un dialogue de sourds. Le gouvernement ne nous entend pas parce que les routes, on n'arrange pas beaucoup, on n'en construit pas beaucoup. Les chauffards, il y en a de plus en plus. Le nombre de tout ça augmente toujours apparemment. Vous constatez les faits simplement alors? Non.
nous faisons notre travail. Oui. Après le constat est fait, on attire l'attention de ceux qui conduisent et de ceux qui s'arrangent à ce que la voirie soit une voirie adéquate pour permettre à ce que les conducteurs puissent conduire normalement. Vous êtes optimiste que ça puisse porter des fruits votre quand on a le Saint-Esprit en soi, on est optimiste. Ça, c'est très important pour les croyants, mais ceux qui ne sont pas croyants, ils vont vous regarder. Ceux qui ne sont pas croyants doivent devenir croyants. Ah. Ça, c'est selon parce que les non-croyants vivent grâce au même Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils vivent toujours grâce au même Dieu. Donc, dit qu'ils soient croyants, ils sont croyants quelque part. Parce que sans ce souffle de vie-là, que leur donne Dieu, ils ne peuvent pas vivre. Merci beaucoup, M. Delor Magellan Kamseu Kamguin. Merci d'avoir été de moi qui vous remercie, Africa 24, et bienvenue chez vous, chez nous au Cameroun. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, ce soir pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.